Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4, chers amis. Et donc, comme prévu dans les précédents épisodes, nous allons aller à Mass Fusion. Donc, je me suis téléporté ici parce que c'est ici que commence la quête version Institut. Donc, on appuie sur le béton et on monte. Hop! Bon, alors j'ai fait du rangement, hein, littéralement. Vous voyez, hop. J'ai essayé de vendre un petit peu, donc j'ai un peu plus de capsules, forcément. On va prendre un Radaway. Et on va manger un truc. On va prendre de l'eau purifiée, tiens, ça va nous faire du bien. Hop, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu un coup. Hop, j'ai modifié quelques armes aussi, vous allez pouvoir voir ça. Par exemple, alors normalement en 5, j'ai ça maintenant. Là, j'ai mis ça. Voilà, ça par exemple, c'est le légendaire que j'ai pris avec le faster reload et faster... plus rapide dans le tir. J'ai repris le fusil à pompe. Et bien sûr, j'ai gardé la sulfateuse. Parce que voilà. Et donc aussi, au passage, j'ai racheté des munitions. Alors, il semble que c'était par là. Voilà, faut qu'on profite du téléporteur de l'Institut. Vous fera définitivement passer dans le camp des ennemis de la confrérie. Voulez-vous continuer à utiliser le relais? Oui. Alliance brisée. En territoire ennemi. C'est parti. En territoire ennemi, échec, pardon. Non, bien, des années, restaure la totalité de votre santé et soigne toute partie de votre anatomie souffrant d'une infirmité, pardon. J'ai des petits problèmes de diarrhée. Vous avez pensé à quoi, chers amis? Franchement, vous avez pensé à quoi, là? Franchement, dites-moi. Bon. Je vais faire l'impasse sur votre perversité, bande de petits chenapans. Utilisez un établi d'armure pour modifier vos armures et augmenter leur résistance. Pourquoi pas? Je pense que notre armure X01 est plutôt pas mal. Yo les filles. Ah oui. Attendez. C'était quoi ça? Oula. Oula là, il y a des gens. Ça doit être mon imagination. Qui va là? Qui plus est, il y a des gens en armure. J'aime pas ça du tout. Ok. Bon, maintenant qu'ils m'ont vu, ça vaut pas le coup de. Hop. Bouffe. Oh la vache. Ce qui me met. Ce qu'ils me mettent, pardon. Hop les, recharge. Missile launcher légendaire. Ça peut être intéressant. BOS uniforme, je te le prends. J'aimerais l'équiper à quelqu'un. Par contre, je suis tout seul. Ouais. Ne laissez aucun survivant. Ok. Et il est bien cet équipement. Ah, oh, il s'est pas pris de dégâts. Ok, je l'ai eu. Pour la confrérie. Mais t'es où? Oh la vache, un autre légendaire. D'accord, intéressant par contre ça. Aïe. Quelqu'un me tirait dessus, donc elle est au-dessus. Hop, recharge. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre une armure, hein. Je n'ai pas la carte de badge. Merde. Je n'ai pas la carte. Attendez. Il y avait quoi comme... Ah non, il n'y avait pas l'armure que j'aime bien. Je la prends quand même. Je ne vois pas l'agitateur de beryllium. Ils ont dû le déplacer.
Bon, ça m'étonne qu'ils soient restés en haut s'ils l'ont déplacé. Hop, écoutons ça. Du calme, Noël. Vous saviez bien que c'était inévitable. Je ne comprends pas pourquoi vous réagissez de la sorte. Ne me dites pas de me calmer, Carl. Quand on a commencé à travailler sur l'agitateur de Beryllium, vous m'avez dit que c'était pour le bien de l'humanité. D'accord. C'est con! D'accord, c'est tout. Bon. Ah non. On va attendre qu'il ait fini. Alors moi ça m'inquiète, chers amis. Une fois les tests terminés, j'enverrai l'agitateur à Washington. Alors maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous vous mettez au travail, soit vous dégagez et je ne veux plus vous revoir dans mes locaux. Alors moi ça m'inquiète, chers amis, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on va encore me tromper. J'ai l'impression que... Joli. Que ça va être changé en arme. Alors, la conformément à l'instruction de l'agitateur de Babylon est installée sur notre réacteur principal au niveau Fire 01. J'ai également augmenté le niveau de sécurité de tous les lecteurs du badge de bâtiment. Vous devrez donc disposer de votre carte magnétique de direction pour utiliser l'ascenseur. J'aimerais stipuler de manière officielle que je m'oppose à l'accélération du projet. Je regrette que les tout récents qui ont affecté le monde n'aient aucun effet sur votre décision. Bien que je comprenne que votre récent contact avec l'armée américaine ne favorisera en rien l'adoption d'une ligne de conduite rationnelle, je vous encourage vivement à considérer votre position. Il me semble que c'est exactement pour cette raison que vous avez quitté Poséidon, Carl. Un mois plus tard, pratiquement. Je surveille le réacteur depuis plusieurs semaines et l'agitateur de Beryllium fonctionne actuellement au plein régime. Il se trouve que même que les pertes de spectre électromagnétique que j'ai constatées est inférieure à 100 millièmes. Si vous espérez une réaction stable du plasma, vous voilà servi. Félicitations, je crois pouvoir dire qu'une telle nouvelle mérite l'ouverture d'une bouteille de champagne à boire en compagnie des militaires. Et ça reste encore une... Ah non, c'est le même. Hop, voilà. Donc quelques jours plus tard... Le docteur Noël Chandrich s'est escorté ce matin hors de nos locaux avec rupture immédiate de son contrat avec Mass Fusion. La mémoire de son terminal a été effacée et toutes ses recherches ont été transmises à notre ordinateur central. Le docteur Chandrich a été informé que toute tentative d'embauche dans une entreprise d'énergie nucléaire concurrente provoquerait une action en justice de notre part. Conformément à son contrat, nous avons procédé au gel de son plan de retraite de ses avantages sociaux. Pardon. N'hésitez pas à me contacter pour toute autre information relative aux ressources humaines. Message interne 20 jours plus tard. Tous les employés sont invités à la fête de fin d'année 2077. Cette année, elle aura lieu sur le toit du siège social d'où vous pourrez contempler notre belle ville tout en dînant avec la personne de votre choix. Un bar et de la musique live vous seront proposés ainsi qu'un feu d'artifice prévu à 22h en espérant vous voir nombreux. D'accord, bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut donc que nous descendions. Mot de passe du laboratoire, badge administratif, voilà. Ça, c'est pas intéressant, c'était le fameux mot de passe magnétique qu'on aurait eu pour le truc là-bas. Utile. Cependant, je vais quand même aller visiter tout le machin. Et voir ce qu'il y a en haut. Avancer, verrou. Donc. Voilà, ça c'est fait. Génial. Hop. Cuir à soupe en argent, non merci. On a déjà un paquet comme ça dans mon tiroir. Hop. D'accord, c'est une verrière toute simple. Pourquoi pas. Ok. Mes ennemis sont là-bas. Hop. Allons-y. Descente. Merci. Hop, au passage. Bah elle est pas trop mal cette arme, hein. Elle tire à tout va, mais elle est pas mal. Elle descend vite les chargeurs. Hein. Très très vite. Oh, c'est joli. C'est joli. Bon, bah, le jeu, forcément, n'est pas parfait, mais le game design est joli. Oh oui, regardez-moi ça aussi, cette texture. Ah, je peux pas viser, je suis désolé. Ah, si, c'est bon. Bâtiment de Mass Fusion. Eh bah, écoute, allons-y. On est là pour ça. On doit descendre au niveau moins 1. Donc, au niveau inférieur 0,1.
Kate, comment t'es venue jusqu'ici? Je t'ai pas vu venir. C'est quoi? Ah, pardon, c'est moi qui ai sifflé. Par ici, par ici. Et tout ce que tu sais faire. Une minute. T'as entendu quelque chose? Manœuvre Tango Delta. Exécution. Ok, ils sont. Oh la vache, y a combien de légendaires? Ok. Ok. Arrête de jouer à cache-cache. Oh, viens ok. Je vais pas m'en sortir. C'est pas mal, hein. Alors il se recharge aussi plus vite, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour la victoire. Voilà, chapelet. Faites tous vous crever, Max. Ok. Faites sauter le conduit. Maintenant. Quoi? Non. Connard. Vous voulez dire que c'est plutôt chiant, oui? Ouais. Alerte intrusion! Quelqu'un nous suit. Ah hop! Merde, j'ai pas le temps de recharger. Par contre, les munitions tombent trop vite. Ok. Yo, l'ami! Hop, les. On va plutôt prendre le gros qui fait du bruit pour faire peur à l'ennemi. On va bien trouver un truc intéressant. Ne t'inquiète pas, je trouve des trucs intéressants. Une armure d'ingénieur, pourquoi pas. Yo. Terminal du développement de produits. Pourquoi pas. Message interne de l'équipe de recherche. Non. Ok, il y avait de l'amour. J'espère qu'on fouine pas partout pour rien. Non, pas pour rien. Jamais pour rien. Ramène-toi, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que... Hé hey. Ouais, ouais, je m'en occupe. Mais... Connasse! Tu me fais venir parce que t'as trouvé quelque chose, mais tu finis par boire un coup? Saloperie! Eh, c'est bien foutu de ma gueule, là, pour le coup. Porte déverrouillée, expert. Hop, et on l'a. C'est bon. L'objectif de quête, on est d'accord? Optionnel, rétablissez l'alimentation de l'ascenseur. Donc, avant de descendre sans pouvoir remonter comme par exemple ici, j'aimerais justement... Responsable du développement. Oh, intéressant. Oh, il y a une clé à côté, j'ai pas vu. Gratitude. Distance. Ouais. Ah bah, écoutez. Message interne de l'équipe de recherche. Gestion de l'alimentation. Voilà. Une surtension a été détectée au laboratoire de développement numéro 3. L'alimentation principale a été coupée pour éviter tout dégât dans les locaux. Il est peut-être possible de réacheminer les courants en contournant les zones touchées. Voulez-vous enclencher la procédure de réacheminement automatisé? Oui. D'accord. Alimentation principale rétablie. Ok. Le courant est remis en place. On a pris la clé, oui. C'est bon. Documents techniques, je sais pas si je pourrais les rendre un jour. Allez, Kate. Allez. Monter là-haut, est-ce que c'est possible à un moment ou à un autre ou pas? J'ai rien vu pour monter. Là, c'est pour descendre. Là, c'est un cul-de-sac. Cul-de-sac, cul-de-sac. Là, je peux monter. Il y a donc peut-être un intérêt à monter. Alors, ici. Ok. S'il y a un bouquin là. Science Tesla, ouais. Génial. Boîte de cigares. Cul-de-sac. Qu'est-ce que c'est? Carte de visée améliorée, pourquoi pas.
avait un bricoleur dans la salle. Ok. Hop. Ça c'est fait. Briquet à essence, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est arrivé ici? La gueule? Panneau du disjoncteur. Disjoncteur activé. C'est marrant ça. Est-ce que toi tu peux... Hey, Kate. Montre-moi ce que tu veux que je fasse et je m'y mets. Allez voir ce que c'est. No problemo. Allez voir ça. Ça marche. Par ici. Je suis sur le coup. Viens là. Venez ici. Ok, j'y vais. Jetez un œil. C'est parti. Allez, vas-y. Ok, t'as pas l'air de savoir ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Un instant, je reviens, j'en profite pour faire une petite ellipse. Enfin, pour moi, une ellipse. A tout de suite. Heureux, cher Jamie, excusez-moi, hop. Un souci humain, entre guillemets. Hop. C'est marrant, l'architecture me dit quelque chose. On n'est pas déjà venu dans un bâtiment comme ça? Hop. Merde, Kate. Hey, ici. Bon, moi, trop tard, Kate. Ah, mais si, ça me rappelle quelque chose. J'ai passé une heure là-dedans à chercher comment monter plus haut. Y'a pas un truc comme ça qui s'est passé? Si, si, ça me dit quelque chose, clairement. What? Cible localisée. Quoi, encore un légendaire? J'ai besoin de tir de couverture, maintenant. J'ai raté. Je l'ai touché. Putain, de légendaire. Raté. Et lui qui me tire dessus aussi. Oh la vache! Ah, il est en forme celui-là. Hop! Oh, ça touche là! Voilà! Et ce serait bien que tu commences à m'aider. Non, il est pas derrière là. S'il est derrière, il était là. Hop les. Putain, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi je suis... Ok, tu sais quoi? Tu me saoules. Regarde ça. Dis-moi ce que t'en penses. Ton épaule est touchée. Oh, c'est bête. Raté. J'ai 147 missiles sur moi. Voilà. En profiter maintenant. T'es sexe comme ça, toi. Hop. Il manque un bras, par contre. Hein. Alors, c'est la fusion. Je vais les prendre, parce que vu tout ce que je consomme avec le fusil laser, je vais en avoir besoin. Hunting rifle. D'accord. Pourquoi pas. C'est là-bas. Bon, ok, ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça ne veut pas. D'accord, il faut descendre. Y a quelque chose qui cloche. Mais non, dans ta tête. Rien à signaler. Ça me fait plus chier pour... comment qu'elle s'appelle, Kate. Kate. Ah, Kate, ça y est, te revoilà, ma grande. Bon. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Bon, t'as vu, j'ai changé un petit peu d'armement. Ok, bonjour. Bidim, 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 bidim. C'est juste un gros tas de ferraille. Ah oui. Non. Ce n'est clairement pas juste un gros tas de ferraille. Bon, ça va, tranquille, mec. J'ai pas lancé le bonhomme parce que j'ai peur que... Enfin, il va m'aider clairement parce que je sais que je vais me faire attaquer une fois que je serai en bas, hein, c'est certain. Hein. Mais... Il
Mais bon, je préfère pas, je préfère profiter un maximum de l'XP. Terminal lui préposé. Ah, là déjà, c'est déjà un peu plus intéressant. Bon. Hop, staked. Non, c'est pas ça. Cantine, c'est pas ça non plus. Release, c'est pas du tout ça. Bon, quand on a pas de bol. Vous me direz, les précédents, j'ai pas eu trop de mal à les trouver. Ok. Bon, c'est vrai que ça aurait pu continuer sur cette lancée là, hein. Moi ça m'aurait pas dérangé. Hein. C'est un gain de temps considérable. Ok, c'est bon. Alors, c'est surtout pas release. Donc ça peut être Youngster. Ou Younger, je sais plus. Commande du Lazerotron. Tiens, bah vas-y, on y va. Activez l'unité, après tout. Commande des tourelles. Activez. N'ayons plus peur. Commande de la porte de sécurité. Bah activez. Ah non, fermez la porte. Bah c'est bon. Zone d'opération compromise. Ah quoi? J'engage le combat. Quoi? Mais pourquoi vous êtes contre moi? C'est moi qui... Je suis votre maître. Ça m'a fait mal à mon avis ça. Pas de quartier. Mais je suis coincé en plus. Ah, elle est cassée. Elle est cassée? Oh merde. Ok, donc c'est clairement pas la bonne arme qu'on a. Tiens donc, ça pourrait être intéressant. Hop là. Hop là. Bah, vu comment tu m'as aidé, je vais dire non. C'est moi qui récupère. Bon, shotgun. Couloir, shotgun. Ça me semble logique. Maintenant, ça m'a parlé de tourelle. Je veux donc savoir où est-ce qu'elles sont. Ça me semble logique. Baseball cap. Ballon. Hazmat suit. Bah oui, parce qu'on est sur un réacteur nucléaire, je préfère encore... Attends, il y a une nuke mine. Oh la vache, nuke mine, carrément. Pourquoi pas. Clé à zéro tronc, c'est bon. Il y a des tourelles dans les chiottes. Non, ça va. Ça va, on a du bol. Pas piégé. Ah, intéressant ça. Puis en quantité plus que convenable. Alors, sauvegarde rapide et on y va. Là, derrière ça, chers amis, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a un robot sentinelle. Je mets ma main à couper. Et là, il y aurait bien des Lazerotrons. C'est certain. Hein, c'est... Better Sell Spice, pourquoi pas. Franchement, je mets ma main à couper. Hein. Du coup... Tiens, je vais prendre ça pour le Lazerotron. Enfin, pour le robot sentinelle, pardon. Ok. Recyclage de l'air du SAS, veuillez patienter. Démarrage de la séquence de décontamination. Décontamination terminée. Bah non, je prends encore des rades. Ok. Ok, j'ai fait le con. Je le reconnais. Ok, c'est génial. Merci le jeu de m'avoir prévenu. Oh, j'aurais dû réfléchir aussi, tu me diras. Yo les filles. Déverrouiller le réacteur. Ok, j'imagine que c'est ça. Interruption du verrouillage.
Agitateur de beryllium. Hop, voilà, prenez l'agitateur de beryllium. Waouh, c'est joli, on dirait directement, on dirait déjà que c'est fait pour l'institut en fait. Alerte de sécurité dans la chambre du réacteur. Quoi ? Verrouillage d'urgence activé. Non ! Attends un peu que je te retrouve, ça va chier. Vite ! Veuillez patienter. Vite, je veux pas rester coincé là-dedans. Hop. C'est quoi ça? Oui, donc c'est pas ça. C'est plus ça. Voilà, mes gants. Hop. Décontamination terminée. Ouf, j'ai cru que je délirais. Allez, vas-y, sœur. Putain, il est balèze. Fait mal, ça, je sais pas. Grenade plasma. Ok, bah on l'a eu, mais il nous a pété la gueule. F10. Wow, c'est quoi ce bordel? Ah, ça pue du cul, hein. Là, ça va être un combat de merde. Hein. Oh, attendez, j'ai une idée. Ah bah non, elle a pété aussi sec. Merde. Donc faut que je la charge maintenant. Faut que je l'équipe maintenant. Que je cours la jeter. C'est quoi? Merde, raté. Quoi? Bah voilà, tu vois quoi tu veux. Il est encore en vie. Oh la vache! En plein dans le genou! Boum! En plein dans le genou! Donc il y en avait un là. Oh, jolie épée. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Bah, il y avait que ça! Oh, bah, je m'attendais à mieux. Clairement. Même si on en a bien chié, je m'attendais à mieux. Bah écoutez. Il devait y avoir un robot ici. Ah oh, bah le voilà, le protectron. Terminal d'analyste. Ouais. Safe. Ah, c'était pour ça, d'accord. Okay. À quoi ça sert de mettre un pauvre mot de passe avec écrit... Enfin, mettre, écrire le mot de passe sur l'écran, limite. Graver le mot de passe sur l'écran pour ouvrir un coffre à plusieurs milliers d'euros. Hop. Ça y est. Ok, pourquoi pas. Fourchette en argent, je prends. J'ai beaucoup de cuillères, mais j'ai pas beaucoup de fourchettes. Ok. Bon. Mais encore. Honnêtement, c'est cette porte-là qui m'intéresse. Et je pense qu'en fait, potentiellement, on peut l'ouvrir avec ça. Wires. Ça aurait été pourtant assez logique. Deeds. Non, ça peut pas être deeds. Frame. Ça peut être frame. Frame. Ça peut pas être grade. Ça peut être shave. Ouais. Voilà. Commande, faut voir commande de protectron. Bah non, bah écoute, tant pis. Je pensais que ça allait être la porte. Donc peut-être que c'est pour ouvrir cette porte-là, la commande de la porte. Bah non, même pas. Fermer la porte pour voir. Donc là la porte s'est fermée, donc non c'est pas ça. On devrait... Commande de la porte, ouvrez la porte. Comment on passe de l'autre côté? On pourrait fouiller ce bâtiment étage par étage, on sait jamais. Oui c'est une excellente idée, je te l'accorde. Cependant c'est pas ce que je cherche.
Est-ce qu'on a bel et bien, dans la carte locale, un passage ici? Pff, un passage, je sais pas, ça a l'air bien bouché en fait derrière. Bon bah alors, peut-être que je me trompe. On va quand même aller vérifier, comme d'habitude, chers amis, hein, je préfère toujours être sûr. Ouais, voilà, c'est complètement bloqué derrière. Rien d'intéressant. Ok. Parce que bon, souvent dans un jeu vidéo, quand une porte est fermée, il y a moyen de l'ouvrir. Hein. Mais bon, là n'est pas la question. Les lasers rétro... Ok. Qu'est-ce que... Un protectron? Tuer, d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Verrouillage terminé. Quitter masse fusion, d'accord, ok. Oui, c'était le dernier, dernier ennemi à buter. Ok, allez, on monte. Oh, ça pue, ça. Qu'est-ce que c'est? Allez-y les mecs! Qui que vous soyez, je sais que vous êtes là. Ils ne nous échapperont pas. What? Ils sont en train de nous massacrer. Pour l'aider pour la... Oh la vache! Pour une fois que c'est moi qui l'a subi, celle-là. La vache, mon chargeur. Ah bah oui, mais tu te places pas devant moi. Hop. Taïo! Putain, c'est un légendaire! Déployez-vous! Putain! T'as des envies de suicide, toi! Ok! Putain, il y avait un légendaire dans le coin! Saiyan Scribe, je prends. Combat engagé. Rolling Pin, c'est quoi ça? D'accord, ok. J'aime avec quoi ils se battent. Franchement, j'adore. Alors les mecs, ça va? La forme? Il en reste un, c'est ça? Ah, il a l'armure que je cherche! T'as l'armure que je cherche, merci. Merci, merci beaucoup. Je la trouvais stylée, ça faisait très Star Wars. Hop, casse-toi maintenant. Crac. Oui, tout ce bâtiment-là, j'ai déjà fait. Hop. Quelques munitions. Ok, bon bah salut les mecs alors. C'est pas par là? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est juste à côté, d'accord. Ok. Quartier des affaires donc. Espérons qu'on va tomber sur Maxon. Ce serait cool qu'il attende de l'autre côté de la porte. Vous savez qu'il vienne vous voir pour un dudu, un petit duel. C'est l'heure du duel. Bon. À toi de jouer. Alors, t'es là? T'es pas là. Oh, c'est vraiment dommage. Bon bah, je recharge. Et il pompe jamais en fait avec le truc en bois devant. Ah, c'est vexant. Y'a pas de vrai fusil à pompe alors. Oh, c'est horreur. Bon bah, tant pis. Bon bah écoutez les amis, on va se rentrer je pense hein. On va se rentrer à Sanctuary puis on ira faire la fin de la quête entre guillemets directement au début du prochain épisode. On ira voir à l'institut. Je pense que ça pourrait ne pas être trop mal. J'aimerais juste aller voir quelques petites choses au niveau des armes qu'on a récupérées. Ça peut être intéressant.
Petite chose. Le robot Miss Nani a été créé par General Atomics International pour devenir l'équivalent du... J'ai pas eu le temps de finir. Hop, déjà ça. Et donc oui, voilà. Ça a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, on a aluminium si on veut. Pour savoir ok, que vous pourquoi avez pas. Énormément aidé ces gens. Affûté et à pointe. Ok, c'est naze, c'est très très moche. Toi là, Fury, là, plus en plus de dégâts à chaque fois que je tape, ça m'intéresse. Aluminium. À l'âme. Missile launcher, voilà. Là, on arrive sur les choses qui m'intéressent. Quadruple canon. Le nom me semble pas trop mal. Ordinateur de visée. Bayonnette, ça m'intéresse pas par contre ça. Et enfin ceci. Module d'étourdissement, d'accord. Électrifié, module d'étourdissement. Ouais, c'est pas tip top. Hein. Ok. Bon. Bon. Eh bien écoutez, on va se laisser là. Moi je vais ranger toutes ces saloperies directement dans le coffre. Peut-être que je reprendrai le lance-roquette à un moment ou à un autre. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, de faire trouver le lien dans la barre de la chaîne et cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GameCP.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure et n'hésitez pas à donner des défis, des choses à faire, des contraintes même si vous souhaitez hein, à me donner. Pour l'épisode 100 qui arrive très très vite, donc soyez très rapides chers amis, c'est une demande que je vous fais. Donc voilà, allez, salut les gens. Et hop et...